eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Спок pour les Allemands. Et c'est parti dans cette rencontre. Le Cutrun, évidemment, dans le middle. Online Bots face à Hellraisers. Exactement, allez, c'est parti. Donc, je le répète, c'est l'équipe qui va remporter ce Cutrun qui va directement partir sur le Easy Side, donc le site CT. Et pour l'instant, ça se dose 2 contre 2. Et attention, c'est du 2 contre 1. Et c'est les Online Bots qui vont sûrement demander le swap. Très bien joué de leur part. Les trimmers, il y a moins que je passe mono pour ce match pour timeout les gens gratuitement. Ils sont fous ces viewers. Et Spock, c'est intéressant de voir les Hellraiser commencer terreau parce que sachant qu'ils sont archi favoris, ils vont devoir s'arrocher Dozier, Markelov, Adren, Kutcher et Angel pour aller chercher cette équipe estonienne, les Online Bots. Spock. Bah écoute, ouais, tout à fait. Bon, après, voilà. Je pense que je vois quand même les Hellraiser. On va voir ce que vont nous proposer quand même les Online Bots. Ils ont gagné le 4 rounds, ils sont sur l'Easy Side. Ils peuvent mettre 8, 9, voire 10 rounds. Ça va être au Hellraiser d'être, d'être prêt. Pour l'instant, il y a 3 Kevlar chez les Online Bots. Et 2 joueurs avec du stuff, c'est Fuchs et Fate. Et attention, le gros pré-shot d'Adren qui arrive directement à mettre tu joues pas sur Nougat. Et c'est directement du 54. Petite information quand même, les Online Bots qui jouent sans kit sur ce GR en CT, ça c'est étonnant. Normalement les équipes prennent toujours un kit. Fou qui a mis une petite balle sur Adren, la bonne touch, il recule maintenant. Effectivement tu l'as dit, on n'a pas encore l'armement des Hellraiser, ils ont pris Deagle, Tech9 et CZ. Et après il y en avait deux qui avaient pris des Kevlar. Voilà. Tout à fait. Allez, c'est en train de tempo là au niveau de cette banane et je pense que ça va pas tarder. Ça y est, c'est Dozia qui fait le travail sur Fitz. La smoke qui est complètement nulle parce que voilà, c'est Chetty qui arrive à faire tomber la bombe en plus. La smoke était vraiment pas très bien posée. Au niveau de ce spawn CT, là ça se dose et c'est Sper qui fait le travail face à Dozia. Ouais, mais tu l'as dit, cette smoke a vraiment mis les Razor dans une mauvaise situation. Heureusement pour eux, le skill est en leur faveur pour l'instant. 3 veilles de bombe plantées. Kutcher sur fou, oh le Deagle était random, c'est un truc de fou. Adren qui va arriver dans le dos. Des OB, bon kill d'Adren maintenant. Et c'est Angel qui fait un bon kill sur Spear. Double kill pour Adren, un kill pour Angel. Dozia et Kutcher, 1-0 déjà Spock. Ouais voilà, donc il va falloir continuer, mettre le deuxième round chez l'Hellraiser. Et pourquoi pas le troisième round. Attention, du force buy chez les online bots, mais ils sont que 3 à force buy. 4 force buy, ok, le cinquième, je pense que ça doit être le sniper, ça doit être Spear le sniper dans ces cas-là. Exactement. Regarde Chetty qui a tenté le petit Wim Deagle, il a touch Kutcher, mais pas dans la tête. Kutcher qui est toujours au Deagle. 2 PM du côté des Razer, et tu l'as dit, le force buy. Angel qui tente de traverser cette chambre noire, pour l'instant ça ne passe pas. Ouais. Il avance quand même dans cet appartement. Exactement, là il y avait 3 petits aggro au niveau de cette banane, ça n'a pas fonctionné, donc... C'est Fuchs qui revient là au niveau de cette voie de cube pour la prendre. Et Angel, au niveau de ce KJB, va peut-être essayer de prendre l'information au niveau de cette vodka et ces choses faites. Pour l'instant, il voit personne. Je pense qu'il va annoncer à ses mates et ça va jouer le T. Mais attention, parce que Fuchs est au niveau du coin plus de voie de cube et il va voir 3 des joueurs arriver en face de lui. Et c'est Adren qui arrive à faire le premier kill maintenant. Situation directement de 5 contre 4. Mais regarde Angel, il a un HP. Angel, ouais. Un HP. Angel qui est très très chaud. Moltes évite ce genre de phrase. Allez, Dozia qui avance maintenant. Ça passe dans le dos des OB, mais c'est finalement Dozia qui tombe. Angel, toujours son HP qui a réussi à survivre au combat. Et qui fait un kill en plus de ça, Spock, sur Phase. 4v2, l'arrivée maintenant de Chetty de Spear dans cette banane. Est-ce qu'Angel va arriver à survivre à ce round? Non, il est fini par tomber. Attention quand même à pas trop se commit les Razer. L'arrivée d'Adren. Adren qui. Oh! Et il n'a pas eu peur. Il restait que Markelov avec un bison. Ouais, ils ont quand même fait les fous là. Hein. Adren a vraiment fait le fou. C'était du 2 contre 2. Ça aurait pu être vraiment le round remporté par les online bots. Les online bots qui ont quand même fait tomber 3 armes dans ce force buy. Maintenant, certes, ils seront en écho. Mais bon, voilà, ça
ça force les Hellraiser à racheter 3 armes, donc c'est bien joué de leur part. Exactement. Gros écho côté Ninebot, ça tente de rusher à 4 cette banane sans stuff. Bon voilà, ça s'appelle une écho suicide, il n'y a pas d'autre nom. Deuxième qui revient middle pour terminer phase, phase qui se cache même pas parce qu'il sait que plus ce round est terminé, mieux c'est. 3-0 pour les Razers qui ont mis pas mal d'argent de côté. Adren n'est toujours pas mort, Angel et Catcher et Markelov se sont morts qu'une seule fois. Donc ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent de côté. Markelov a son AWAP, Dozia va jouer au rifle, tout comme Catcher et Angel. Et côté online bots, c'est Spear qui prend l'AWAP, Famas sur fou et les trois autres sont à la MK silencieuse. Exactement, je pense que c'est peut-être Spear qui va prendre la décale. Alors où est Spear? Je vais me mettre directement sur Spear. Et c'est Spear qui se fait calmer directement par Markelov, qui avait la ligne appartement. Dozia face à Chetty. Et c'est Dozia qui prend le dessus, très bien joué. Oh, les ouvertures sont trop faciles. Il va falloir montrer quelque chose de meilleur chez les online bots au niveau du skill, s'ils veulent faire face à ces Hellraiser qui sont pour l'instant... parfait sur ces trois premiers rounds. Ouais, pour l'instant ils ont pas vraiment de concurrence. Donc, hein, les Hellraiser, ils courent un peu sur la map. Y a aucune CPL, hein, ça court, ça te met des pocs, ça clique sur les têtes. Bon, c'est le jeu des Hellraiser, mais bon. T'as Catcher, tu vois, qui arrive en appartement. Et bien cover par Nuga, et c'est Nuga et Fou qui pour l'instant tentent de protéger leur arme. Et Nuga qui a beaucoup trop raté Dozia. Ouais. 17 HP sur Nuga. Ouais, gros full de Dozia pour essayer de wall. Oh, il s'est passé à travers la smoke. Bien joué de la part de Dozia. 4 contre 1 maintenant et le sniper là qui va être encerclé et qui va tomber. Les online bots qui perdent ce premier round d'achat et qui vont être en économie, ça va sûrement donner le 5-0 voire 6-0 pour les Hellraiser. C'est dommage, ouais, 5-0 sûr. Après les online bots pourront racheter sur le 7ème round. Sur oui, le 6ème. Mais enfin là je veux dire qu'on est un peu dans une situation de crise que les online bots, Spock. C'est-à-dire que là, ils pourront racheter sur le round du 5-0, donc pour tenter d'arriver à 5-1. Après, s'ils le perdent, ça va défiler. Hein. Ça va faire 6-7-0 déjà après, donc il est temps de se remobiliser. Il serait intéressant pour les Ninebots de pourquoi pas faire un changement de rythme. On sait que les Razers ont tendance à beaucoup rusher quand une équipe adverse est en round d'armée. Pourquoi pas soit jouer très reculé avec du bon stuff, soit les agresser dans le middle pour les déstabiliser. Mais je pense que s'ils restent sur des positions entre avancer et reculer comme ils sont, donc des positions on va dire à semi-distance, pas exactement où était Nuga, ce qu'il faut pas faire face à des joueurs qui font des AK, voilà. S'ils continuent comme ça, ça peut aller très très vite, ils vont prendre 16-0, ça sera pas intéressant. Ouais, exactement. Bonsoir à tous, hein, à tous les nouveaux qui viennent d'arriver là. Et donc ouais, t'as un petit peu raison, surtout que les Hellraiser ont directement pris un round capital, le premier round d'achat des online bots, et ça directement, et eh bien au niveau du... niveau de l'argent, ça fait très mal. Attention, Dozia qui n'a pas vu son adversaire qui était juste derrière lui. Oh, le gros trouage de Chetty. Mais que fait-il? Heureusement que Fate c'était là. Hein. Mais ouais, très belle cover. J'ai pas très bien compris ce que Chetty a fait. Voilà, là c'est l'ouverture au niveau de ce BPA. Ça va pouvoir poser sur Catcher. Et c'est du 4 contre 2. Fuchs qui a récupéré un AK-47 et qui va sûrement l'économiser. On le voit partir au niveau de ce BPB. Et c'est bien joué de sa part. Ok, et bien Spock, on m'a demandé un point scoreboard. On fera ça juste après. Donc Chetty face à Adren, Chetty qui est bien placé, qui a attendu Adren. Il a eu un peu de mal mais finalement il a réussi à prendre le kill. L'arrivée de Fuchs dans cette banane face à Markelov. Ouais, ça va jouer très très reculé là chez les online bots. Ils veulent pas perdre leur AK-47 mais je pense que les Hellraiser vont vouloir peut-être aller les rusher. Quoique non, ils sont... ouais, si, ils étaient quand même très bien économiquement. Bon, c'est pas grave. Allez, petit point niveau scoreboard d'Alcalon, on voit Chetty avec 3 kills, 2 kills pour Fate et Spear, 1 kill pour Nuga et 0 kill pour Fuchs. On n'est que sur les 5 premières rounds, hein, donc c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas trop de différence. Chez les Hellraiser, par contre, c'est Angel hein, qui a 7 kills pour une seule mort, ratio de 7, c'est très bien. 4 kills pour Catcher, 5 kills aussi pour Adren, 4 kills pour Dozia et 3 kills pour Markelov. Donc voilà, on voit que les kills sont faits proprement chez l'Hellraiser, un petit peu moins chez l'Online Bot. Mais là, c'est un round d'achat et c'est peut-être là que l'Online Bot vont pouvoir revenir dans ce match. Et là, ils ont fait exactement ce que je leur conseillais. Spock. Tu vois la petite smoke en banane, le changement de rythme et l'agression. Et dit tout de suite, ça déstabilise un peu les Hellraiser. Catcher qui a 8 HP qui s'est bien travers. C'est une jolie agression de la part des Online Bots. Ils ont mis exactement le stuff qu'il fallait et maintenant ils la contrôlent.
Ils arrivent en fin de stuff, donc ils reculent, ils ont gagné 45 secondes de jeu. C'est très intéressant ce qu'ils ont proposé. Et Eraser maintenant vont être forcés de lancer une prise du A avec quelques smokes, de prendre un peu plus de risques qu'ils prenaient jusqu'à maintenant parce que les open kills n'ont pas été faits. Et voilà, 50 secondes de jeu, encore 5 c'était en vie. Le round peut maintenant être plutôt mieux géré par les online bots. Ouais. 40 secondes de jeu, Spock. Ouais, mais regarde Sper, Sper il va se faire rusher comme un bœuf par Dozia, même pas, c'est Dozia qui prend le dessus directement. Et c'est du 5 contre 4. Donc attention, rien n'est perdu pour les Hellraiser. On voit Cutcher à 8 HP, mais il prend la coupe, donc ça sera pas lui qui sera en première ligne. Et là c'est Fuchs qui arrive à remettre son équipe en situation de 4 contre 3. 4 contre 4 maintenant, mais 4 contre 3. Fuchs deuxième kill. Fuchs appuyé par Fate qui arrive à faire le travail. Et c'est du 2 contre 1. Attention, Dozia face à Fuchs. 40 HP face à 35 HP. 4 secondes de jeu, 3 secondes et voilà. Premier round remporté par les Online Boss qui ont très très bien joué la situation. Bonne agression dans la banane pour un changement de rythme. Les Razers, ça les a un peu déstabilisés. Ils ont été forcés de forcer leur talent justement. En agressant ce middle, en prenant plus de risques. Derrière, ils s'exposent au crossfire. Ils ont perdu très rapidement un ou deux joueurs malgré l'ouverture faite en voie de cul. Et c'est bien un jeu de la part des Estoniens qui remportent ce premier round. Pause demandée, Angel qui a été déco. Il y a eu une hausse de ping générale du côté des Razers hein, sur Adren et Angel. Exactement, bon, on va voir, peut-être un problème de connexion. Ouais, on va voir ça. Ouais. Dommage. Ouais, peut-être, enfin, je sais pas, ils étaient en bootcamp. Bon, je pense pas quand même. Ouais. Hellraiser. Mais écoute, on va attendre un petit peu en espérant que ce soit assez rapide. Je pense que voilà, il va peut-être se mettre sur VPN pour éviter les attaques de DDoS. Bon, même si je ne pense pas que ce soit du DDoS, c'est vraiment un reboot de connexion qu'il va faire et. Et ça donc sera quelqu'un bon. Qui a parié sur les Ninebots avec 10 000 de value et qui se dit bon allez je tente un petit dédos sur les racers, on sait jamais. Ouais. Ah bon, c'est jamais, c'est rarement la bonne solution parce qu'on sait très bien que au moins ça marche. Si le round a été perdu à cause de ça, le round est reset. Donc alors en aucun cas le dédos peut influencer un round. Taz nous dit 4v5 c'est bon, ça win easy. Bah regarde la preuve que non hein. Je les rounds d'armée des Ninebots qui remportent un round. On sous-entend quoi avec bootcamp? Alors en fait, bootcamp, c'est le fait de jouer à plusieurs. Bah, par exemple, tu vas chez un mail de ton équipe ou chez n'importe qui, vous êtes à côté en train de jouer. Donc vous jouez voilà, juste à côté. Pour la communication, c'est beaucoup plus pratique. Pour parler stratégie, rencontrer ton mate aussi de façon directe. Donc c'est ça un bootcamp. Donc, tu as dit quelque chose par rapport à... Non mais c'est ça, c'est jouer à plusieurs dans une même salle avec une même connexion et... Et donc voilà, c'est bon, Angel est bien revenu, il a toujours ses 10 200 $, donc pas de problème, tout est rentré dans l'ordre, il va pouvoir acheter, et la pause qui a été, voilà, cancelled, ça va pouvoir partir, ouais. 5-1, les online bots, voilà, qui doivent continuer comme ça pour essayer d'accrocher les Hellraiser, de toute façon ils sont sur le easy side, donc c'est un minimum de 8 rounds pour les online bots, pour essayer après de limiter la casse, on va dire. Exactement, c'est parti, agression encore une fois de Nanbot dans cette banane. Spear qui prend une kill, mort ce travers de Cutcher sur Spear est monstrueux. La Revenge tout de suite de Faze, c'est du 3v4, les Revenge sont beaucoup mieux. Côté OB, pour l'instant, ils se sont bien remis des 5-0. Ils ont mis le premier round et là ils ont déjà l'avantage numérique, 4 contre 3. La banane était très bien tenue, agressée, ce qui a poussé les Razers encore une fois à partir sur ce BPA. Ouais, tout à fait. Bah, ils étaient 3 au niveau de cette banane. Le sniper, malheureusement, est mort, mais il y avait toujours 2 revenge derrière. Donc, c'était très bien joué. Et là, comme tu l'as dit, maintenant, ils sont dans le T, les Hellraiser. Et bah, il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Pour l'instant, ils ont laissé la bombe au niveau de ce middle. Il y a des smokes un petit peu partout. Oh, que c'est bien joué de la part d'Adren de booster Markelov. Peut-être pour essayer de prendre un kill au niveau de cette vodka. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Il va y avoir un kill de la part de Angel, très bien joué. Shetty, qui est très bien positionné au niveau de cette librairie. Et, cette ben là, c'est, et c'est très bien joué de la part des online bots qui reviennent à 5 contre 2. Enfin, 5 à 2. Exactement. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Et n'hésitez pas à nous follow sur Twitch pour être au courant de tout. Ce soir, on va vous streamer les 4 matchs des Star Series. Donc voilà, le programme, ce sera Hellraiser contre OB. Après, il y aura un Onbots encore une fois contre Reason. On retrouve Hellraiser contre Nostalgie et après un match à mon avis très serré entre Hellraisers et Overgaming.
Spear qui est tombé 4 chairs dès le début, et ça va très très bien pour le Onebot, Spock. Exactement, ça y est, ils se sont repris, certes, ils se sont pris 5 rounds, mais maintenant, avec un petit peu d'argent, là, ils arrivent à tenir tous ces BP, et c'est super bien joué. Attention par contre, parce que les Hellraiser peuvent vraiment retourner la situation très rapidement. Et là, c'est Markelov qui se fait calmer directement, une très beau headshot de la part de Fates, et je sais pas si Fates l'a vu, mais il a fait tomber la bombe. Elle va pouvoir être récupérée quand même dans cette smoke, mais c'est directement du 5 contre 3 pour les online bots. Exactement, les Hellraiser qui ont déjà mis Spock les 5 rounds élémentaires au hardside, donc ils ont en aucun cas à s'inquiéter. C'est simplement que les online bots sont un petit peu mieux, Spock, depuis 2 rounds. Maintenant, depuis 3 rounds, on peut dire, parce qu'il est quand même bien parti celui-là. Attention, n'empêche, le BPB, ça peut être du 3v2 et même du 2v1 si la smoke est bien placée. La smoke pourrait deny rapidement Fett et ensuite pourquoi pas prendre le kill sur Shetty qui est dans ce C3. Il y a une smoke sur Adren et Dozia. La smoke est partie, les flash aussi. Et ça graisse le BPB maintenant. Ouais, mais il est tout blanc, il se fait flash team par ses mates malheureusement là. Je crois que c'était Adren. Ça passe au niveau de ce B. Oh, c'est Fates qui arrive à faire le double kill maintenant et c'est du 1 contre 4. Angel face à 4 joueurs et face à Fates. En tout cas, ok, Angel qui fait le premier kill, il a 4 HP et il va se faire calmer par Fuchs. Très bien joué. 3 rounds d'affilée chez l'online bot qui engrange quand même pas mal d'argent. Il n'y en a qu'un seul qui va devoir acheter, il me semble, ou 2. Ouais, 2. Mais super bien joué de la part des online bots. Il faut continuer comme ça, c'est super. Ce qui commence à faire. Force buy. Gros force buy côté des Razers qui préfère limite. Joue avec presque rien, mon deuxième par contre je crois qu'il a reculé parce que lui par contre jouait avec rien. Il est parti chercher un kill d'arcasque. Markelov est déjà mort. Ils ont tenté un gros force one d'agression de la banane, c'est pas passé, ils sont fait directement calmer par les online bots. Et les OB, ils vont remporter sans doute leur quatrième round de suite. Pas sur les Razers, ils ont un petit peu inversé la tendance. Spear qui était pas là mettre un gros travers smoke sur Adren. Il se fait rusher maintenant par Dozia également. Dozak qui a récupéré Nakam et qui est bien puni par Fates. Fates, très bonne cover de son mate. Et il reste plus que Dozia rushés dans cette voiture par Fates. Ils sont pour l'instant en train de se chercher à travers la smoke. Bon kill d'Adren, 1v4. Ouais, c'est super bien joué là, hein, ce que font les online bots. Et voilà, c'est Adren qui tombe maintenant sous les balles de Nougat. Un seul homme de perdu chez les online bots. Donc voilà, bah, ça peut racheter sans souci. Et ça commence à engranger énormément d'argent quand on voit Fuchs avec 10 000 $. 4 600 $ pour Nougat et pour Shetty, 5 500 pour Spear. Ben voilà, ils vont pouvoir acheter sur les deux rounds à venir, même s'ils perdent celui-là. Ouais, exactement. Ils vont peut-être Spock une petite 3-2 Fnatic, 3 part, 2 en vodka. Mais attention, regarde, changement de rythme de la part de Nougat qui est attendant maintenant. Il attendait dans ce middle, double kill de Nougat, bien cover et revenge par Adren. Très bien joué de la part de Online Boss qui font pour l'instant un sans faute. La réussite est de leur côté. Tout ce qui tente pour l'instant fait mouche. Dozia qui tombe encore une fois. Adren qui se fait tuer par Shetty qui avait rushé dans cette banane. Il ne reste plus que Kutcher qui tombe sous la balle de Spear. C'est très très beau ce que propose Online Boss depuis 5 rounds qui reviennent à 5-5 dans cette rencontre. Exactement. Et je pense qu'il commence vraiment à prendre le dessus sur les Hellraiser sur ce hard side, sur ce easy side. Donc c'est très bien joué. Les Online Boss font un bon travail. Il faut continuer comme ça. Après, je pense que il va y avoir un wake-up, un réveil là des Hellraiser, mais pour l'instant, ben on les sent pas. Ils rush, ils mettent pas de smoke, ils mettent pas en place une belle strat CPL, et je pense que c'est ce qui manque aux Hellraiser. Ouais, surtout que maintenant le contre-jump ne passe plus parce qu'ils se font rusher de tous les côtés par la Nanbot. Oh, bien joué de la part de Spear. Magnifique, Angel qui fait tomber Fuchs. Spear qui enchaîne sur Angel, il ne reste plus que Dozia et Kutcher. Spear double kill. Oh, ouais, il a fait quadruple kill sur ce round Spear quand même sur avec son AWAP, c'est très bien joué de sa part. Ouais, double kill à part, double kill en vodka. Il finit par tomber sous les balles de Kutcher, mais derrière la revenge, je crois qu'elle est quasi instantanée. Je sais pas ce qui s'est passé, les online bots se faisaient marcher dessus pendant 5 rounds et depuis 6 rounds maintenant, mais ils sont à un niveau de jeu vraiment incroyable. Les Hellraisers ne voient pas ce qui se passe. Exactement. Attention, peut-être un kill là, de la part de Spear. Non, il s'est loupé au niveau de ce middle. C'est de l'achat hein, chez les Hellraiser, même s'ils ont perdu ce round. On les voit avec full AK, full Kevlar, mais il y a Dozia et Markelov qui n'ont pas de stuff. Idem pour Angel.
Oh, c'est trop facile pour Sper là ce qu'il est en train de nous faire. Ah, par contre, il a lâché la partie. Il fait le bon kill et derrière il recule. Angel qui fait tomber. Fuchs, Sper qui fait le double kill encore. Il se retourne. Il tente d'enchaîner sur Kutcher. Il met une tête sur Dozia. Sur Nuaga. Le duel pour l'instant est bien tenu par les Razer. Attention quand même à Kutcher qui a failli se donner et qui tombe maintenant. C'est du 2v2, Dozia Markelov contre Fitz Shetty. Oh, un contre deux. Ouais, et là c'est la bonne opération là pour les online bots maintenant. Ils vont mettre une moule au niveau de cette vodka. La bombe est posée pour Markelov. Markelov qui fait le kill et maintenant c'est du 1 contre 1. Alors attention, ça fake. Shetty qui fake. Ouh, Markelov qui a eu peur. Et oh, très bien joué de la part de Markelov, mais il s'en sort avec 12 HP. Ouais. C'était serré pour les Razer, mais il remporte quand même ce round. Et ils en avaient besoin, là, les Razer Spock, hein, de remporter au moins un round parce qu'ils avaient pris 6 rounds de suite. Les Razer Spock sont passés grâce à leur skill, mais vraiment, c'était très 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 serré. Sper fait un travail remarquable dans cet appartement vodka. C'est par contre dommage, je trouve. Les Onion Bots avaient bien pris la part dès le début. Et ensuite, les deux c'était non lâchés pour repartir dans le T, laissant libre cours aux Razer pour passer à part. Et là, Sadren qui fait un double HS sur Fate et Sper. 5v3 maintenant. Les Razer ont récupéré le mental et ont récupéré les têtes des OB surtout. Et là ça court dans tous les sens. Il est tout seul sur le VP, Shetty, il tombe sur les balles de Dozia. 5v2, l'arrivée de Nuga pour le premier kill. Double kill maintenant de Nuga. La smoke était trop lente là, c'est Nuga qui se fait plaisir. Il peut quasiment faire le triple kill de la part de Nuga, c'est du 2 contre 2 maintenant. Et il y a Fuchs qui arrive au niveau de cette banane maintenant. Le BPB qui peut être repris par les OB. Ça va jeter une grenade parfaite sur Angel. Angel qui a plus que 45 HP. Regarde la mollo parfaite aussi sur Markelov qui est en train de cramer comme pas possible. Et qui est obligé de se montrer. Et c'est maintenant du 1 contre 2. Et c'est les OB qui reprennent ce BP parfaitement. Ouais. Que c'est bien joué. Alors petit point scoreboard de Spock. Hellraisers côté Angel. On a fait 12 kills. 9 sur Adren et Dozia. 7 pour Catcher et 6 pour Markelov. C'est assez serré, même s'il y a un écart de 6 kills entre Angel et Markelov. Voilà, il n'y a pas vraiment de joueur qui carry et c'est à peu près la même chose hein, côté OB. 13 kills pour Spear et Fates, 9 pour Nuga ou Nuga, 7 pour Fuchs et 6 pour Shetty. 7-6 et pause demandée par les online bots. C'est un problème de souris apparemment du côté de Nuga. Les online bots Spock qui ont vraiment m'ont surpris. En mettant 6 rounds de suite et sur ce dernier round, encore une fois, mené à 5v2 même d'ailleurs, 5v2, ils arrivent à reprendre les BP avec un bon triple kill de Nuga sur son backup. Il y a eu quelques petites erreurs des Hellraiser malheureusement là qui ont fait que les online bots ont pu faire un triple kill sans souci. Vraiment une smoke au niveau du spawn CT aurait complètement deny le joueur des OB. Et ça aurait fait complètement la différence. Là, c'est un round d'achat de la part de Kutcher. J'ai pas trop compris pourquoi. Il est à 300$ maintenant, ouais, Kutcher. Je pense qu'il l'a bail tout seul. Parce que là, je vois pas d'autre explication. Il avait pas sauvegardé son ami, il était bien mort. Il avait moins d'argent que ses. Bon, non, voilà, il a voulu acheter. Bah écoute, pourquoi pas. Est-ce qu'il va être capable d'ouvrir derrière? On va regarder sa position. Hein. Kutcher, il est KGB. Il s'est vraiment mis en ouvreur comme il a l'arme et le Kevlar casque. Il veut peut-être tenter de faire une ouverture sur ce BPA et derrière ses potes au CZ et au Deagle pourront pourquoi pas récupérer une ou deux armes. Et les Razer se contrôlent très bien pour l'instant. Ils vont rentrer tout doucement dans le mid en slow et sans stuff parce que bien sûr ils en ont pas. Et ça va prendre la vodka et la vodka en même temps. Par contre Spear est bien placé à la Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune flash donc Spear il va se faire un plaisir. Heureusement, il a quand même loupé Adren. Fuchs qui a pris l'information, il a vu les 4 joueurs arriver et là Fuchs il va se faire un plaisir à les tuer. Mais heureusement qu'Angel était bien positionné, c'est du... Oh le gros poc. Oh Markelov qui l'a mis sur Nuga. Ouais attention, 3 contre 1 maintenant, 2 ouais. contre 3 contre 1, pardon, 2 contre 2. 2 contre 2, Fates qui fait un très bon double kill, double HS de la part de Fates. La flash contact de Markelov, il flash les 2 CT, il décale le premier et le bien joué. Quelle action de Markelov, magnifique flash. Alors là, si vous voulez l'avoir au ralenti, mes amis, faites-vous plaisir. Petite flash contact qui a rebondi pile dans la plaine. Les deux CT se sont retournés tout blanc et Markelov fait le double kill. Et Spock, ça a marché, le bail de Catcher et l'économie d'Hellraiser pour ce 7ème round.
Ouais, bah écoute, je pense que s'il y a eu de bonnes ouvertures. Là, c'est le dernier round de ce premier side. Ouais. On voit que, bon, ils ont quand même du stuff, les Hellraiser. Ils peuvent mettre le 8ème, mais quoi qu'il se passe, les Hellraiser ont fait le travail sur ce hard side. C'est vrai qu'on s'attendait un petit peu plus, pourquoi pas, des Hellraiser, parce que, bon, les online bots, on les connaissait pas. Mais les online bots nous ont montré quand même que, voilà, ils avaient de la niaque, ils en voulaient, et pour l'instant, ils accrochent quand même un petit peu les Hellraiser. Exactement. Et merci à 7MD11 de nous avoir follow sur Twitch. Spear dans cet appartement. Ils sont trois en appartement. Fuchs est déjà tombé. Spear a fait le kill sur Adren. Il reste Nuga qui couvre toujours le KGB. Angel va éventuellement peut-être reculer, descendre et aller middle avec Kutcher et Markelov. Deuxia qui depuis le début contrôlait la banane. Je crois que les Hellraiser hésitent beaucoup, Spock, entre prendre le B ou le A. Markelov et Angel dans ce mid, Dozier et Catcher dans cette banane, Chetty et Fates en cover du B, et Nuga espère en cover du A. C'est un fake BPA et ça va rusher en B. Ouais, et après une pause, encore une fois, c'est un petit peu bout de bizarre, Chetty, bon, et là ça arrache au niveau de ce BPB, c'est passé, et c'est Chetty qui fait le travail, c'est du 2 contre 4 maintenant. Très bien joué de la part des OB, là les OB qui tiennent ce BPB, attention, il reste encore Fate. Oh, Fate qui se loupe, mais qui arrive à reprendre, enfin c'est Nuga qui arrive à faire le kill. C'est du 1 Markelov. contre 3, On se met sur Markelov, Spock, ouais. Markelov qui arrive en ruine. Oh, il Oh s'est bah donné. donc il s'est fait directement fait calmer par Spear. Effectivement, il cherchait une ligne pour prendre le premier kill. 8-7 pour les online bots qui remportent ce premier side. Merci à A7MD11, Massusker, Lorkis et Inuki de nous avoir rejoints sur Twitch. Voilà, merci beaucoup à vous. 8-7 les online bots qui finissent par remporter ce premier side. 7 rounds de la part des Razors sur ce hard side. Et mon petit doigt me dit que le match. Et bah c'est Elsa d'ailleurs qui est d'accord avec moi, le match entre OB et Reason va être un peu plus serré qu'on ne le pense, Spock. Bah écoute, déjà là, on va voir ce qu'ils nous proposent, parce que s'ils gagnent le gun round, ils peuvent directement arriver à 11-7, À les 17. OB. Ah oui, non, c'est d'accord. Ah oui, d'accord. Donc attention, je veux dire, rien n'est gagné pour les Hellraiser sur ce match. Non, La bah non, cote mais. était grande, ils ont peut-être... Non, je pense pas qu'ils ont de pression, les Hellraiser, mais ils font quand même pas mal d'erreurs sur cette map. Donc attention, les OB peuvent faire la différence et pourquoi pas remporter ce match. Bah, on a vu les Titans Spock hier se faire surprendre par les anciens SK Gaming, les ESG. Ouais. Tout peut arriver dans ce genre de ligue quand c'est pas en plus surtout sur du BO1. Donc voilà, on peut voir les bonnes équipes tomber dès le début. Heureusement, il reste encore énormément de matchs, que ce soit pour les Titans ou pour les Razors. Ils vont devoir s'accrocher. Après, ça peut tout aussi bien être un 16-8 avec une défense en fer des Razors, comme tu l'as dit, une remontée d'online bots. Un match très serré, on est content. Hein. Tout ce qui est, tous ces matchs un petit peu accrochés, toujours plus agréable à commenter et pour vous à regarder. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de stress là pour tous ceux qui ont voté Hellraiser. Ils se disent, ah ouais, quand même, l'online bot a réussi à mettre 8 rounds. Attention. Ben ouais, c'est ça, hein, les votes, enfin les bêtes, ben des fois vous perdez, des fois vous gagnez. Donc on verra ça quand la première équipe passera les 16, tout Bah simplement. écoute Spock, la cote des OB a augmenté face au Reason. Pas mal de personnes à mon avis ont fait change team sur les paris CSGO Lounge. Quand ils ont vu les OB, ils se sont dit bon hier les Reason ils sont ils ont pas été forcément très très bons. En plus de ça c'est une nouvelle équipe, les OB sont plutôt pas mal contre les Razors. Allez, je tente OB. Et la compte des OB, la cote des OB pardon, est remontée. Ben Les ouais. Razors ont demandé une pause de 40 secondes, Spock. Ouais, c'est ça. Ben écoute, on va attendre. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont du ping? Ouais, Adren a encore un petit peu de ping. Est-ce que c'est ça? On va voir. Bah écoute, je sais pas trop. En tout cas, on va faire un petit point scoreboard peut-être parce qu'on nous l'a demandé. Donc au changement de side, donc le premier side c'est Spear qui termine devant, sans trop de surprise, mais attention, fait c'est pas loin avec 14 kills côté OB toujours. 10 pour Nuga, 9 pour Fuchs et 8 pour Chetty. Et côté les Razors, Angel, là par contre, il carry vraiment son équipe avec 15 kills. Adren a 10 kills, 9 kills pour Markelov et Dozia. Seulement 7 kills pour Kutcher. Kutcher qui a fait des très bons kills et des bonnes ouvertures. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de joueur moins bon dans cette rencontre. C'est assez rare d'ailleurs, Spock, de voir des joueurs aussi proches au scoreboard et aussi proches en termes de kills des deux côtés.
pour ça qu'on a un match aussi serré, un 8-7 pour les online bots. J'attends de Ouais. voir ce qu'ils vont proposer au GA. Exactement, bah ils ont tous fait leur part du travail. Moi je pense que là les Hellraiser vont vraiment se mettre bien sur cette easy side. Mais il faut absolument enfin, qu'ils remportent le gun round pour mettre un petit peu d'argent de côté parce qu'autrement ben, ça sera les online bots qui seront devant et peut-être que là il y aura de la pression chez l'Hellraiser en se disant on se fait mener par les online bots alors qu'ils sont quasiment inconnus dans le top EU, même le sub top EU. Donc voilà, ça y est, c'est reparti Alcalon. Ouais. Donc le gun round à venir, on voit que Dozia, Adren et Angel ont pris un Kevlar. Le diffuseur chez Kutcher et Markelov avec Smoke, Flash, Grenade. Et pour l'instant, chez les online bots, ben, ça temporise et ça va prendre ce T directement. C'est Nouga qui va se positionner au niveau de cette voie de Q. Et ils sont en train de se faire calmer là, les online bots au niveau de cette voie de Q. Attention quand même, hein, parce que Markelov a 3 HP, Spear s'est bien intégré dans le spawn CT. Spear qui est en train de mettre des balles sur Kutcher. Oh là là, Spear qui n'a pas réussi à toucher Kutcher. Adren maintenant en 1v2. Adren qui rate Fuchs. Fuchs qui recharge Adren, ça de deux côtés. Adren qui arrive à faire le bon kill quand même. La revenge par Fates. 1v3. Fates sur ce C3 qui va aller chercher les Razors. Un par un. Double kill de Fates. Énorme. Toujours peu sur Kutcher. Fait double plaisir de subscriber. 2A qui enchaîne sur Fates. Ouais. Et le GR remporté par Eraser. Mais c'était bien joué de la part de Fates ce qu'il a fait donc. Bah, il a fait quand même 2 kills ou 3 kills donc 2 kills. C'était bien joué, il faut continuer. Bon là ils ont perdu le round, l'online bot. Donc ça décide de ne pas force buy. Donc il va y avoir sûrement 3 rounds d'économie chez les. Enfin 2 rounds d'économie chez les online bots. Ouais. Donc les Hellraiser, attention de ne pas perdre d'armes, ça serait dommage, sachant qu'en face, voilà, il n'y a pas de Kevlar casque. Ouais, étonnamment, la bombe n'a pas été plantée. Donc en général, les équipes force buy lorsqu'elle n'est pas plantée, qui sont en terroriste. Mais bon, là, c'est un choix de la part des Estoniens de ne pas force buy. Ils ont malgré tout pris un CZ. Donc attention, ça reste un round dangereux. Ils ont pris une petite flash pour rusher dans le T. Ça rush sur Kutcher qui prend déjà un POC. Kutcher qui recule, qui se fait agresser par 4 OB. Et c'est pour l'instant les Razors, hein, qui font le bon travail, mais Shetty a fait tomber Markelov. Fait tirer l'HP. Oh, il se fait sauter dessus. 2v2 Spock. Ouais, et une M4 récupérée par Fates. Hein. On sait que Fates, ben voilà, il gère très bien depuis le début. Donc, ça va être à Adren et Angel de faire le travail. Les deux joueurs se sont attendus. Ça va passer au niveau de cette plaine. Ouah, c'est Angel qui met le. Tu joues pas sur Fates, et maintenant c'est du 2 contre 1. Et ça foule un petit peu, et c'est Adren qui s'en sort. Mais quelle ronde d'économie! Incroyable. Parfait chez les OB. Ils ont fait tomber 4 armes, ils ont posé la bombe. Parfait. Ouais, c'est quasi parfait. Parfait, ça arrêtait de faire le kill sur Adren. Ouais, exactement. Mais effectivement, c'était vraiment très bien exécuté de la part des online bots. Ça arrivait de tous les côtés. Ils se sont fait vraiment surprendre les Erasers. Adren s'est même retrouvé tout seul à 50 HP sur une écho quasi chèche des online bots. Ils ont pris tous CZ et une flash. Voilà, très 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 simple. C'est bien joué de leur part, ils ont fait tomber vraiment l'économie des Hellraiser, c'est au taux plus bas. 0 sur Angel, Markelov et Kutcher, seulement 300 sur Adren. Donc vraiment bien joué de la part des Ninebots qui maintenant peuvent acheter et qui ont mis leur adversaire dans une situation économique un peu délicate. Angel quand même qui fait tomber Nuga, la grosse hache sur Fate. Ouais, belle grenade là, il a plus que 23 HP, il tombe maintenant sous les balles de Angel, double kill Angel. Et là, la bombe qui est encore une fois hein, très bien positionnée, elle est vraiment dans l'escalier terreau qui permet de faire des redirections. Donc, c'est très bien joué. Ils n'ont pas perdu la bombe bêtement au niveau de cette banane. Maintenant, c'est du 53, mais on voit que Kutcher a 33 HP avec la WAP et Angel avec 44 HP. Donc, il peut y avoir vraiment un retournement de situation chez les OB s'ils décident de rusher, pourquoi pas, cette vote Q. Ouais, cette vote Q, notamment, bah. Par contre, elle a été renforcée pour la vote Q. Hein. Ils sont 3, il y a Angel, Dozia et Kutcher. Donc la vote Q est difficile à prendre en revanche. Vodka à part, pourquoi pas. Shetty qui veut avancer et prendre le kill sur Markelov. Markelov au max 7. Une redirection en B. Shetty qui fait tomber Dozia. Il y a encore 2000 HP du côté des Razors. Tout le monde est loin d'être terminé. Markelov a reculé un peu avec son max 7. Il reste quand même sur ce balcon à part. Ils vont rusher à 3 en A. Il est tout seul, Markelov, pour le défendre ce BPA. Ouais, et là ça va être le travail. Attention, il va peut-être faire le travail, Dozia. Oh, Markelov. Pourquoi je dis Dozia moi? Markelov qui se loupe deux fois avec son max 7.
C'est du 4 contre 3, mais attention, le retournement de situation peut-être. Ouah, Markelov, il a plus qu'une balle et il tombe. Oh, que c'est mal joué. Très bien joué de la part de Sper et Chetti qui font le travail. Et c'est du 3 contre 1. Quel retournement de situation, je l'avais dit. C'était du 5 contre 3 et maintenant du 3 contre 1 pour les online bots. Ouais. Très bien joué de leur part. Spock, l'erreur vient, je pense, non seulement du backup en B sans raison, mais surtout de Markelov qui a très 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 mal joué son coup avec son max 7. Il aurait fallu qu'il attende d'avoir vraiment l'assurance de pouvoir prendre le First Blood avant de commencer à full dans tous les sens. Le max 7, on le rappelle, a été augmenté dans ses dégâts, mais sa précision et la dispersion des balles a été augmentée. Donc, c'est-à-dire que le fait d'être un peu plus loin de votre adversaire, donc plus vous êtes loin, plus c'est encore pire qu'avant. Déjà qu'avant, c'était pas la joie. Là, vraiment, c'est vous tirez des cacahuètes, quoi. Donc, clairement, faut être au corps à corps, avoir le max 7 dans la tête de son adversaire pour que ce soit vraiment utile. C'est loin d'être le cas sur le kill en bas, il aurait dû attendre d'être sûr que personne n'arrivait à l'appartement. Et ensuite il s'est fait spotter. Les online mods ont fait un très beau double kill en pleine. Les razers avaient ensuite backup en B, enfin rien n'était bon côté des razers. Et les online boss qui remportent ce premier round d'armée. Exactement, et ça met les OB en situation de 9 contre, enfin 9 à 9 au niveau des rounds. Donc très bien joué de leur part. Et là ils vont peut-être mettre le 10ème et repasser devant ces Hellraiser. Qui sont en économie, il n'y a que Adren, hein, on le répète, avec une M4 silencieuse qui l'a économisé. Donc ça va être chaud, ça va être chaud pour les Hellraiser. On s'attendait vraiment à quelque chose, à un no match pour les Hellraiser. Et les OB font vraiment du très bon travail pour l'instant. Ouais, ils arrivent à les accrocher à un 9 partout. En plus, ils sont en économie, il ne reste plus que Adren avec une M4. Et regarde, regarde, tous les OB sont au niveau de cette banane et le B, il n'y a plus personne. Quelle lecture du jeu des OB, il faut qu'il continue au niveau de cette banane maintenant. Hein. Elle est totalement off par les Razer qui tentent à roll in en A. OB qui vont lancer une petite strat avec 2-3 smokes sur ce prise du B. Et les Razer qui sont encore 5 en A. Ils ne bougent même pas, Spock. Ouais, ça y est, maintenant y est. Ils vont essayer de prendre maintenant ce BPB, pourquoi pas en reprise. Mais voilà, la bombe qui est plantée, c'est dommage, il aurait fallu au moins un joueur au niveau de ce spawn CT chez les Hellraiser pour faire quelque chose. J'ai pas trop compris leur stratégie. C'est Sper qui va peut-être... Ouais, il est tout blanc Sper, je crois qu'il a... il a pas été vu. Ouais, très bien joué de la part de Fates et de Sper, double kill. 2 contre 4. La M4 d'Adren va être économisée. Et le 10 à 9 pour les OB. Que... C'est bien joué de la part des OB qui repassent devant Hellraiser. Bah c'est surtout qu'est-ce que c'est mal joué des Hellraiser, c'est pas qu'il y a personne qui prend l'info en B. Ils auraient pu faire le all-in classique, 4 ans en B. Le joueur en B prend juste l'information, permet d'avoir un point de chute sur ce BPB et de faciliter le backup. Là, 5 ans A, effectivement, si ça repasse en B avec 2 smokes, les Hellraiser jouent plus. Donc voilà, 19, 2 rounds de suite que les Hellraiser font de graves erreurs. Donc ils se reprennent de suite s'ils ne veulent pas perdre contre les Lone Bots. Et les OB, et B qui font leur petit bonhomme de chemin, qui jouent crânement leur chance. Et qui, pour l'instant, sont plutôt bien dans cette rencontre, économiquement et au scoreboard. Ouais, tout à fait. Je sens que les parieurs des OB, là, sont super contents. Et je pense que bah, y a moyen que les OB remportent ce match. Pour l'instant, c'est encore Fuchs qui fait le travail. Oh, l'agression qui n'a pas du tout fonctionné. Pardon. Cutcher qui fait le travail. Il a la bombe quand même au niveau de ce... Oh, dans cette visu, ou oh, Cutcher qui a eu de la chance, hein, parce que Spur il s'est complètement loupé. Ouais, alors en plus moi je voyais plutôt dessus Spur, mais bon c'est pas grave, 3v2. La 2A qui avance, la bombe est tombée, et très bonne smoke de la part des Razers, ça y est c'est parti, les terreaux vont devoir... Mais non. Ouais, ils rentrent dans cette smoke là, c'est dommage. Ils sont en train de dire qu'ils vont devoir attendre, qu'est-ce qui me traverse cette smoke, Fates. 3v1, il ne reste plus que Chetti dans ce tas de bois, et les Razers vont pouvoir encercler leur adversaire et bien protéger cette bombe. Ouais. Attention, 2 contre 1. Markelov et Dozia face à Chetti. On voit que bon, Chetti est dernier au niveau du scoreboard, mais de toute façon, ils sont quasiment tous au même niveau. Chetti qui va peut-être ne pas voir Markelov juste derrière lui. Attention. Attention, Dozia. Dozia qui foule et ça passe. Ouais. Ouh, que c'était serré de la part des Hellraiser. Alors, on remercie G-Ribs, Shooter, Masuskier et Fenez Nicolas de nous avoir rejoint sur Twitch. Et effectivement, comme le signale Taz Pok, la cote des OB est bientôt de 50% face au Reason. Elle ne fait que s'envoler. Les gens prennent peur en ayant parié Reason et ils changent d'équipe pour les OB. C'est incroyable.
Ben ouais, d'un côté, ils ont quand même très très bien joué, les OB. Là, c'est Kutcher qui arrive à faire le travail sur Spear. Spear qui n'a plus son AWP malheureusement et donc qui se fait un petit peu punir au niveau de ce middle. Mais Kutcher a pris quand même une balle, même deux, parce qu'il a plus que 40 HP. Ça tempo chez les OB. La banane qui a été prise avec une très belle smoke au niveau de cette banane. Donc Adren prend l'information en avancée. Et c'est Angel hein, qui laisse Adren tout seul. Et qui prend cette vodka maintenant. Kutcher double kill sur ce round. Il a 8 HP. Il est encore en vie. 5 contre 3. Et le rush peut-être au niveau de ce T à venir chez les online bots. Ouais, tout à fait, il ne reste plus que Faithful et Nuga. Ça recule côté les Razer, ça joue assez étonnant parce que ça joue très reculé en vodka et Markelov joue très avancé en vodka. Là, c'est un peu paradoxal le jeu des Razer. On va voir si ça peut être payant. Même regarde Doja qui est dans le cimetière, quoi, qui est très 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 reculé. Ils ont mis Markelov au front et ils sont reculés dans les autres positions. Nuga, Fuchs et Faiths vont agresser maintenant cette vodka. Markelov sont protégés par la smoke, premier kill de Markelov, double kill, triple kill du Markelov. Oh, bien le joué, kill joueur Markelov, il est beaucoup trop chaud aujourd'hui. ouais, après voilà, il a eu de la chance, il s'est pas fait flash. La smoke était bon, elle était bien, mais ils ont mis trop de temps en fait à rusher cette vodka. Quand tu mets une smoke vodka, ben faut pas attendre que la smoke se termine pour rusher la vodka, hein. Il faut le faire pendant ce temps-là. C'est évident. Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Et merci aux followers. Il y a de plus en plus de followers qui nous suivent là. Merci à vous. Ouais. Alexis AKUHD, Datfroz, Ipoz et Meko, Jnikni. Ah, je suis imprononçable. Ouais. Bon, bref. Et c'est Kutcher, encore une fois, qui met son équipe en supériorité numérique. Les OB sont en écho et on dirait que bon, ils sont en train de travailler un petit peu cette banane avec Nuga et Fate. Mais ça joue très bien chez Lightriser et c'est Angel qui fait le travail. 5 contre 3. Ils Les sont beaucoup Hellraiser mieux. qui sont en train de, voilà, de remonter et de mettre pourquoi pas ce 12e round. Ouais, un petit point scoreboard rapidement hein, pendant que les online boss se redirigent. Angel est à 20 kills, Kutcher 15, Markelov 13, Doja 15 et 12 pour Adren et côté online bot. 19 kills pour Spear, Fates, Fou, attention, non attends, il va se faire tuer. 13 pour Fou, 10 pour Nuga et 12 pour Chetty. Bon kill de Spear maintenant, il fait son 20e kill quand même et Markelov, Ouais. encore un très bon doublé. Le gros full qui Pour passe. les Hein. Razors. Ouais, ça passe, mais ils avaient pas de Kevlar, ils étaient en écho. Donc ça se tente. En 2-3 touches, ça peut suffire. Ouais, tout Et à pour fait. l'instant, les Razors 12-10 reprennent un petit peu d'avance au scoreboard. Ils ne sont plus qu'à 3 points du draw, 4 de la victoire. On le rappelle, ils sont sur l'easy side. Et la monnaie des online bots est de plus en plus inquiétante. Il leur faut absolument remporter ce round. Exactement, c'est un petit peu dommage là. LOB avait vraiment très bien commencé ce hard side et là il commence un petit peu à faiblir malheureusement. Alors est-ce que c'est les Hellraiser qui sont meilleurs ou les OB qui font quelques erreurs? Qu'est-ce que tu en penses, Alcalon? Moi je pense que les Razors font moins d'erreurs en fait. Ils ont fait beaucoup de grosses erreurs en CT et là ils en font un petit peu moins. Du coup il y a moins d'ouverture pour les OB. Et en termes de skill, de toute façon les Razors sont depuis le début au-dessus. Kutcher face à Chetty dans cet appart. Et voilà, Kutcher prend le premier kill encore une fois. Kutcher qui a donné deux fois le First Blood. Ça rush en votre cul. Angel, une fois. Oh, il Angel, était tout blanc. deux fois. C'est Ça bien tout le joué. kill d'Angel. Ouais, ils étaient tout blancs là, les OB. Et il reste Dozier au niveau de cette vodka. Et c'est Dozier qui termine 13-10 pour les Hellraiser. Et là, on va voir les OB qui vont devoir soit économiser, soit force buy avec des Galil. Mais je pense que ça va plutôt être de l'écho. On voit des CZ et des P250 sortir. Et il vaut mieux pour eux. Et laisser le 14-10 pour les Hellraiser. Mais derrière, il va falloir vraiment assurer. Pour pas laisser le draw, voire la victoire chez ces Hellraiser. Ouais, ça se complique un petit peu côté les Razors, côté les Nanebots, pardon. Belle double shot des Razors. Attention, l'ouverture sur Angel. Adren qui a mis une très bonne smoke. Qui foule un peu dans sa smoke. Une fois, double kill. Ah, il il avait se plus de rate un balles. petit peu, Adren. Ah ouais, il a vraiment les deux armes Adren avec le moins de balles. Le CZ et la M4 silencieuse. Oh, la belle grenade! Oh, que c'est magnifique! Ouh, Belle grenade! Pokéball de Ouais. Kutcher. Pokéball, 3v1 maintenant. Super. Il a une AK, il a un Kevlar. La bombe est plantée. La Kutcher, il fait que du cours dessus, ça l'a gavé, je pense. Il voulait pas marcher. Ouais. Mais bon, ils ont posé la 14-10. bombe, les OB, en économie, donc c'est bien joué. Et là, on les voit tous aux alentours des 6000, 7000 dollars. Donc ils pourront acheter sur ce round et sur le prochain round. C'est très bien joué de leur part. Ouais, de toute façon, là, c'est quasiment de l'achat jusqu'à la fin, puisque les réserves sont à un point du draw. Donc, quoi qu'il arrive, le online mode vont devoir force buy jusqu'à la fin. Ouais, tout à fait. On rappelle Star Series, c'est match nul, 1 point. Pas d'overtime, victoire 3 points, défaite forcément
0 points. Et encore une fois, là, c'est Dozia qui met la petite flash, le petit call pour décaler sur Spear. Il se rate, il lui met un poke, il revient de terminer. Ouais, c'est bien joué. Et maintenant, c'est directement du 5 contre 3. Et là, c'est Adren qui s'est complètement donné. Double kill de la part de Fates qui arrive à ouvrir cette banane maintenant. Et c'est du 2 contre 3. Les Hellraiser qui voilà, vont devoir reprendre ce BPM maintenant. Dozia qui est fait tomber quand même chez T. Ça va poser. Et ben voilà, la reprise à faire chez l'Hellraiser. Dozia a encore une flash, une molo, une smoke et une grenade pour Markelov. La molo et la smoke peuvent vraiment deny ce C3 et ce C4. Donc attention aux online bots qui sont vraiment en crossfire parfait. Mais je sens bien la reprise d'Hellraiser là. Bah écoute, on va voir. En tout cas, Dozia pour l'instant attend la fin de la smoke. Il attendait quelques pré-shots sur Fates. Fates qui a 4 HP et qui tombe sous les balles de Dozia. Devient maintenant le temps joué en faveur des OB. Il ne reste plus que 5 secondes pour diffuser. Oh, bien joué! Super bien joué de la part de Fuchs. Alcalon, on nous pose. Alcaspock, vous pensez quoi du match à Platinum? Bah écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Les deux équipes se valent. Donc je mettrai un draw. Non, bah c'est un peu compliqué à dire. Disons que sur le papier, évidemment, on dirait Platinum. Maintenant, c'est vrai que les AA sont quand même sur une très bonne lancée depuis la Lyon Esports. On les a vus encore ce week-end. Ils ont terminé deuxième à la PXL 40. Donc, ouais. Sur le papier, j'aurais dit Platinum. En ce moment, les AA sont plutôt bien. Assez tendu de répondre à ça. Donc, on va peut-être pas se prononcer. En plus, les équipes françaises, on va pas se fâcher avec personne. Ouais. Donc, voilà. 4 AK du côté de Ninebots, 1 CZ sur Spear. Les HR ont également un AWP sur Catcher. Markelov qui joue au 5-7. Ah non, c'est étonnant. Ouais, il doit avoir une arme, c'est pas possible. À mon avis, il l'a dans son dos. Parce qu'ils avaient tous de quoi acheter. Et Markelov aussi, il a 6K. Donc, bah écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Là, c'est Nouga hein, qui est directement à 10 HP. Pareil pour Fuchs à 56 HP. Ils se sont pris des POC à travers cette smoke au niveau de cette banane. Et ça temporise. Je pense que ça a voulu atteindre un petit peu la fin des smokes qui étaient au niveau de cette banane. Et ça va peut-être rusher cette banane maintenant. Regarde, il va y avoir Adren face à 4 joueurs. Adren qui va remettre une smoke très bien jouée pour encore deny pendant 15 secondes. Et il va leur rester 15 secondes les online bots pour rusher. Oh, que ça va être serré, le backup qui est déjà mis en place chez l'Hellraiser. Ouais, espère en tête de liste qui a mis le stuff et la redirection. Qu'est-ce que c'est bien joué, mais il reste que 15 secondes maintenant. Est-ce qu'ils ont le temps? Ils ont le temps, Spock, ils n'ont jamais le temps. Par contre, ils vont devoir poser à l'entrée du BP dans l'instant. Donc il faut absolument une ouverture directe. Faut pas qu'ils s'arrêtent. Faut pas qu'ils s'arrêtent, faut qu'ils courent et qu'ils plantent. Et ça passe. Attention, Angel maintenant, double kill, triple kill d'Angel qui switch. Oh, super bien joué. Kill d'Angel, incroyable. Ah ouais, la foule, ils étaient 4 au même endroit au niveau de cette vodka. Eh ben, ils se sont fait punir par Angel. Très bien joué de sa part. Et attention, les Hellraiser sont à 15 points. Donc, il leur reste 4 balles de match pour remporter ce match, tout simplement. Donc, les online bots qui sont malheureusement en force buy. On voit Fuchs avec un Galil. Shetty, Deagle, Kevlar Casque. Inuga, pareil, Galil, Kevlar Casque. Ça va être compliqué maintenant de prendre ces Hellraiser qui sont full stuff avec beaucoup... beaucoup d'argent, 6000, 6000, 4000, 4400. Donc ils pourront racheter sur le prochain round. Attention, Shetty. Ouais, Shetty qui a failli poker. Qui aurait pu poker d'ailleurs. Markelov. Ah, il arrive dans ce T, il va pouvoir prendre le kill sans doute. C'est sur Dozia. Dozia qui n'est pas cover de la vodka. Et si c'est l'histoire qui regarde à gauche, il peut prendre un kill intéressant. Père pour l'instant occupe bien les Hellraiser. Et voilà, c'est Shetty qui arrive et qui prend le kill sur Dozia. 4v3 maintenant. Le round plutôt bien géré par les online bots jusqu'à maintenant. Redirection sur ce BP anticipé par Angel qui back up. Adren qui avance un peu dans cette banane. Markelov dans le bac à sable. 4v3 Spock. Ouais, là il va y avoir peut-être un duel hein, entre Angel et Shetty. Shetty qui a la WAP. Attention de sortir Angel. Angel va sortir. Oh, il se fait calmer par Shetty. Revenge de Markelov. Que c'est bien joué. Situation de 1 contre 3 pour les OB. Je pense que les OB vont remporter ce 27ème round. Et Adren qui va essayer de le jouer quand même. Ils ont quand même de l'argent comme je l'ai dit. Il va peut-être y avoir le POC. Premier POC d'Adren et la revenge de Fates. 15-12 pour les Hellraiser.
3 ouais, balles de match encore pour cette équipe d'Hellraiser. Ils ont vraiment survécu. Hein. Donc on va remercier Nuki, Maxou, Médor, Muko, Hippos, Meko, Neo, Aliandre et Natsuko87 de nous avoir rejoints sur Twitch. Vous êtes vraiment très nombreux. Merci beaucoup de nous avoir follow sur Twitch. Voilà, c'est comme ça quand je dis rejoins, c'est follow. Et effectivement, les online bots sont survie. Ils veulent aller chercher ce point. Et Razer, c'est encore un gros round d'achat au prochain. Ils se feront en écho. S'agresse, Adren, la bonne flash. Il enchaîne sur Fuchs. 5v4 et la bonne smoke pour cover. L'agression à 3 des Razer en banane a bien marché. Et Deza, c'est un petit peu troué dans ce middle. Ouais, tout à fait. Je pense que Adren là a fait un petit peu. Enfin, je pensais qu'il allait vraiment mourir parce qu'il a fait le foufou. Et regarde, c'est passé au niveau de cette voie de cul. Nouga qui arrive pas à faire le kill sur Kutcher et qui est puni maintenant. Situation de 3 contre 2. C'est passé au niveau de cette vodka. Ça va pouvoir poser. Attention, ça décide de poser maintenant à l'intérieur. C'est du 3 contre 2. Les deux joueurs des Hellraiser, Adren et Kutcher, vont reprendre la plaine pendant que Angel a pris l'appartement. Angel, il faut qu'il sorte pour avoir l'information. Et il a vu. Situation de 2 contre 1 maintenant. Attention, Shetty face à Kutcher, 61 HP. Et que c'est bien joué de la part de Shetty. Que c'est serré. Très bien joué de la part des online bots. Non, Elsa, le match continuera pas jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. C'est une ligue. Et comme toute ligue, il y a des matchs nuls qui rapportent un point et des victoires qui rapportent 3 points. Donc s'il y a 15-15, c'est un point pour les deux équipes. Hellraiser sont en économie Smoke et vont devoir s'arracher. Pour mettre 16-14 ensuite, Kutcher a acheté encore tout seul, pourquoi? Je sais pas ce qu'il nous fait Kutcher, mais à chaque fois, il achète alors que ses mates n'achètent pas. C'est un petit peu dommage, mais tout à l'heure ça a fonctionné Alcalon, donc attention. Ouais, mais là c'est en CT, Kutcher fait un bon kill quand même sur Spear. Il a 11 HP, va-t-il dropper son M4? À quelqu'un qui en a 100, pour l'instant il semble la garder, même s'il a un Kevlar, il devrait quand même la donner. Ouais, c'est vrai que ça serait bien de la donner, il va peut-être la donner à Adren. Et non, il la donne à Markelov. Ouais, bah c'est pour l'instant un des joueurs les plus en forme, mais Angel a fait quand même 29 kills Spock. Sauf que Angel était sur ce BPB en couverture avec 2 et Adren, ils sont maintenant 4 en B. Kutcher tout seul avec 11 HP en A, et où est-ce qu'ils vont les online bots? En B, ça semble le coup parfait Spock pour les Razers, qui pourrait peut-être remporter dernier round sur une écho avec juste un Bayem 4 de la paille de la part de Catcher. C'est parti, Shetty qui rush, ils sont 4 à les attendre. Ouais, ils sont tout blancs les OB et c'est Markelov qui fait le travail. Double kill des Hellraiser. C'est du 4 contre 1 maintenant. Aïe aïe aïe, attention. Ils vont remporter sur une écho Spock. Fait tout ça. C'est très bien joué Spock. Et voilà pourquoi il faut bailler une M4. Ils se sont refilés les M4 les uns aux autres. C'est tellement brillant ce qu'ils viennent de faire. Mais franchement, Alcalon, les OB, ils ont fait vraiment un très bon travail face à cette équipe du top EU. Les Hellraiser sont quand même dans le top EU. Et là, je suis épaté par les OB. Franchement, je les connaissais pas du tout et ils ont vraiment très bien joué. C'est Miam en fait. Et non, c'est une équipe qui fait assez peu de grands tournois européens. Donc on les connaît très peu. On fait une courte pause, on revient tout de suite pour le match que vous attendez tous. Qui est à savoir Reason contre Unbot, qui semble vraiment un match très serré. A de suite.